Des tornades dévastant tout sur leur passage. La scène se passe sur la côte méridionale de la Chine, un pays régulièrement assailli par les typhons. Mujigae est le 22e à frapper la Chine depuis le début de l'année. Avant cela, c'est dans le nord des Philippines qu'il a sévi. Bilan, au moins 9 morts et une trentaine de pêcheurs chinois portés disparus. Des vents soufflant à plus de 180 km/h ont emporté des grues, des maisons et déchaîné la mer en cette semaine de vacances durant laquelle les Chinois affluent dans les stations balnéaires du Sud pour célébrer la fête nationale. De nombreux touristes ont dû être évacués ou rassemblés dans les bâtiments les plus solides et des milliers de bateaux de pêche rappelés au port. En gagnant l'intérieur des terres, Mujigae a perdu en intensité.